Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Bienvenue à ONA. Regardons l'année 2018 en images. Allez, c'est parti. Accueillir les enfants avec un programme pédagogique épanouissant et répondre aux besoins de mode de garde des familles, c'est la mission prioritaire du service jeunesse. La création d'un service sport à part entière permet de sensibiliser les Oninjois à l'activité physique. Afin de répondre à une attente de la population et suite au transfert de compétences décidé par l'État, ONA, en ville clé de l'arrondissement, s'est dotée d'un service carte d'identité passeport. Thank you.
étroitement associé à la municipalité, le CCAS et sa commission proposent de nombreuses actions en direction des seniors. Mais c'est aussi tous les publics et toutes les générations qui bénéficient de services spécifiques. Le service logement accompagne les demandes, les attributions et les mutations liées au changement de situation des familles. La solidarité passe par l'association de toutes les énergies disponibles. Les actions politiques de la ville et de la Maison de la Solidarité permettent de créer du lien entre les habitants et les populations sur des thématiques importantes. Un travail de tous les jours est réalisé pour tourner les jeunes Oninjois vers l'avenir et la vie active. Petits et grands travaux, aménagements,
Peu à peu, le nouveau visage d'Onin se dessine. Les bâtiments municipaux, également trésor de notre patrimoine, l'église Notre-Dame-de-Grâce a vu débuter les travaux de sa rénovation. Un chantier d'une année comprenant la rénovation des vitraux. Thank you.
La vie aux Ningeoises, c'est aussi de nombreux temps forts, autour de la culture, des fêtes, du sport, dans les quartiers et avec les associations.
En fin d'année, les premiers fruits d'un long travail et de longues batailles sont apparus. À force de négociations, la rénovation de la cité minière Cuvino est enfin déclenchée. Un projet social de résidence familiale pour les personnes âgées permet aujourd'hui d'envisager l'aménagement de l'ancienne brasserie Mocher. C'est une entreprise gérée avec ambition. Le développement économique est également au cœur des priorités municipales. Il est porteur de dynamisme, d'attractivité et d'emploi. Avec l'arrivée de TMF Operating sur le PAV 1, la municipalité a trouvé l'opportunité d'une requalification de la friche Arcelor pour une nouvelle activité économique porteuse d'emploi. La municipalité s'est dotée d'un pôle économie-emploi. Il tient à jour une CVTech de 1200 profils, organise des job dating et facilite les échanges et les partenariats avec les entreprises. Soutenir l'emploi, c'est aussi se battre aux côtés des salariés d'Ascoval pour maintenir l'activité et les savoir-faire locaux dans l'arrondissement. Soutenir l'emploi, c'est enfin poursuivre tous les partenariats susceptibles d'aider au développement d'Onnain.